le coronavirus. On en parlait, tout à l'heure sur Skyrock. Et je vous l'ai dit qu'on essaierait d'avoir une petite connexion avec la Chine. Il nous appelle avec son téléphone Huawei. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour coronavirus. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis bug le coronavirus. Et, attention, mettez vos masques. Alors, le coronavirus qui va nous donner quand même quelques petites nouvelles. Ça y est, l'épidémie mondiale. J'avais dit que de toute façon, une épidémie, ça s'arrête pas. Hein. C'est une pandémie. C'est bah voilà, c'est non pas encore. Non, ça, pour l'instant, ça reste qu'une épidémie. C'est quand que ça serait une pandémie? Pandémie, c'est encore, bah, c'est partout dans le monde. Après, ouais, le stade Vélodrome. Le stade, voilà, ça serait. Il y aurait une sodomie également. Une sodomie également. Pandémie, épidémie, sodomie. Pour les précautions. Ne me dis pas ça. Alors, on se posait une question parce que dans l'équipe, on est un petit peu inquiet. Excusez-moi. Putain, mais t'es une voix de merde, hein, tu dégoûtes. C'est le coronavirus. Ah ouais, t'as dégoûté. Bonjour. Bonjour. Alors, ami Corona, on se posait une petite question tout à l'heure. On a dans l'équipe. J'ai mangé une petite Corona. Cédric tousse depuis le début du mois de janvier. Est-ce qu'il a le coronavirus? Ah non, on ne va pas là-dedans. Je suis quand même un virus qui se respecte. Non, mais non, parle bien. Tu ne veux pas rentrer dans le corps de que Cédric? Dans les gens propres. Ah non, désolé, mais... c'est trop sale. J'ai tenté une approche par le trou du cul. Et alors? L'entrée était bouchée. Était très encombrée de matière fécale. Ah non, c'était fluide. Très encombrée, c'était fluide, il nous dit. Il y a eu une avalanche de merde. Il a fallu éradiquer le virus. Il y a eu une dégoulinade. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et ça a même fini au fond de son slip. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Donc, si j'ai bien compris. Il a toujours le même d'ailleurs. Ah, il a pas changé. Tous les jours. Avant de venir vous voir. Oui. Non, mais je faisais le sondage sur la propreté des Français. Tu n'as pas aidé dans le sondage, Cédric. Bien sûr que si. Mais, oui, enfin, nous faire passer pour des gros crades, oui. Mais... Donc, Cédric, on peut le dire, tu es immunisé. Immunisé. J'espère bien. Parce qu'il ne veut pas rentrer là-dedans, il a dit. Non, à la limite, je peux demander à la rage de venir en lui. La rage, tu c'est la bien rage ça. Ah non, ça va aller, c'est gentil. Tu connais la rage? Oui, bien sûr, oui. C'est un ami virus à toi? Évidemment, on se connaît tous. On fait des soirées ensemble. Soirée virus. Quel pop-pilop, soirée virus. Salut la rage, je suis Corona. Ça va, tranquille? Dans l'anus. Moi, je suis H5N1. Ah ouais, c'est cool. H1N1, je sais plus comment ils appelaient le virus. Là, tu te déplaces sur un moustique. Ah ben, j'ai ma copine, la fièvre porcine, qui est passée chez Cédric. Elle est toujours. Alors elle est dedans par contre. Ah, elle est bien dedans, ouais. Mais bien sûr, allez. C'est difficile, elle me dit. Hein. C'est pas facile. Ça sent très mauvais. Mais elle a un loft, en fait. Ah, bah là, ouais, c'est dire qu'elle a bien. Elle est au chaud, ouais, Bon, je voulais saluer Magali qui nous a laissé un message. Magali Light qui nous laisse un message et qui nous dit qu'elle va pas sortir du week-end. J'ai trop peur. Ah non, mais faut pas abuser. Bah, tu sais, t'as la grippe qui tourne actuellement, la gastro, t'as plein de maladies. Bon, là, il y a le coronavirus en plus. Après, on le connaît pas, donc je comprends qu'on flippe un peu. Non, mais là, il y a quelqu'un qui disait, là, Clé Rouge 55. Romano devrait faire attention, les asthmatiques font partie des personnes à risque avec le coronavirus. Bah, c'est les personnes âgées et les asthmatiques. Et les gens qui ont des problèmes pulmonaires. Ouais, des problèmes respiratoires. Oui, c'est des problèmes respiratoires, ouais. Touche les poumons, ouais. Eh bien, écoute, Corona, merci d'être venu. Allez, à la vôtre. Si t'as des, là, t'es en tournée mondiale, j'ai vu, hein. Ouais, là, je tourne un peu partout. Aller faire un tour. C'est avec les Black Eyed Peas. Quel pays d'Europe n'est pas encore contaminé? Oh bon, tous. Je crois qu'on est tous contaminés. Ah bah très bien. Non, peut-être le Portugal, je crois que. Je sais pas. Vive à Portugal, j'arrive au Portugal. Ah. Portugal. Préparez-vous, amis portugais. Ok, yo. Corona, il fait. Corona. Cédric, non mais il arrête pas de tousser. Il s'est flippé, il est à côté de moi avec Samy. Faut arrêter de tousser, Samy. Non mais tu sais, quand tu tousses, la politesse, c'est tu mets ton coude comme ça. Non mais ta main. Je mets la main dessus. Mais de toute façon, quand je dis que c'est un animal, ce mec. Mais n'importe quoi. Faut pas toucher sur Samy. T'as aucune éducation, mais t'as pas été éduqué ou quoi? Bien sûr que si. Ah putain, j'aurais été ta mère, je t'aurais mis des baffes dans ta gueule. Même si Cédric. Parle bien, à part la grippe porcine, il ne risque rien dans le studio puisque Corona vient de nous dire qu'il ne rentrait pas dans toi. Ah bah c'est gentil. Ah, ça pue la merde. D'ailleurs, en tant que virus, je vous propose de voter Romano ce soir. Ceux qui ne votent pas Romano, je les contamine. D'accord. T'as trouvé le moyen de gagner le clash. De faire gagner le clash à Romano, pardon. J'adore, j'écoute assez depuis longtemps. Ah bah oui. Eh bien, merci à toi. Est-ce que à bientôt. Tu n'as pas un Insta, un Snap, un truc à nous donner, non? Non, pas pour le moment, mais c'est pas mal, ou un TikTok peut-être, non, c'est chinois. Non, un TikTok. T'as pas un TikTok? Bon, allez.
Bon, j'espère que ça va bien se passer cette histoire. Non, mais que oui. Que ça va pas bloquer le monde. Ouais, que ça s'arrête. En Italie, ils disent aujourd'hui, après une semaine de maladie, parce qu'ils sont un peu en avance sur nous. C'est marrant de voir ce qui se passe chez les Italiens. C'est donc, le test. Ils disent aujourd'hui que le virus est moins dangereux que la psychose, parce que les Italiens, ils ont été, nous, on le prend assez cool, pour l'instant, je trouve. Ouais, ouais, pour l'instant. Mais en Italie, ça n'a pas été cool du tout. Ils sont paranoïaques, hypochondriaques. Ouais, grave. Et ils ont, bon. Et donc, dans le métro, ils disent que la psychose de la maladie, c'est-à-dire la peur de la maladie, c'est pire que les effets du virus. C'est ça, les effets, ouais, pour l'instant. Fait, ouais. Ouais, pour l'instant, en Italie. Mais après, moi, c'est pas pour faire le mec, théorie du complot et tout, mais il y a un truc qui me fait réfléchir. Oui. C'est, je me dis quand même. Déjà, tu réfléchis, c'est déjà pas mal, le coronavirus. Il y a les élections bientôt. Non, pas du tout. Non, mais au vu des mesures qui sont prises, c'est par les pays, notamment en Italie, tout ça, je me dis que les mecs, ils peuvent pas quand même faire peur à la population. Donc, ils sont au courant de peut-être de ce qui va arriver. Parce que ce qui se dit, c'est que quand t'es au gouvernement, il y a deux trucs à éviter, c'est la panique et puis le fait de rien en avoir à foutre. Donc, faut trouver une ligne au milieu et tous les pays du monde qui sont dans ce. Mais tout ça en prenant soin des gens. Parce que si t'arrives et que tu dis, oh là là, restez chez vous. C'est ça, voilà. Il arrive ce qui arrive en Italie. Tu peux pas dire ça non plus. C'est le juste milieu à trouver. Ouais, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils disent. C'est peut-être plus dangereux que ce qu'on pense. De toute façon, on se décompte tous les jours des malades et puis qu'on voit ce que ça donne. De toute façon, on en revient toujours au même. C'est que être homme politique, c'est un boulot de merde. C'est vrai. C'est vrai. En fait, tu gères que des problèmes. Après, bon, il faut bien qu'il y en a qui le fassent. Mais moi, je leur laisse. On les a pas forcés, en tout cas. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un boulot de merde. Ça, c'est sûr. Putain, tu sais que je voulais déposer parce que. Et si vous voulez partir. Coronavirus, le compte, il a été déposé. Ah bah oui, mais tu parles. Je l'ai déposé. Ah ouais, combien de followers? J'ai déposé 64 300. C'est moi, ouais. 64,3. Non, mais c'est même pas un truc a priori français. C'est un truc de bière. Rien à voir. Non, c'est non, non, c'est sur c'est des infos sur le coronavirus, vraiment. Bon, alors, on va s'occuper de drague. Ah oui.